ازول مره فلا كنت في اللون في قاب قاتوا في زرام بير بالتلفزيون في كنت مديت بوساكي مس اونري اسطنبول انت فاس لغماي انت رفض جاسكا ازول في لاكي مس اونري ازول ازول في لاك تزورا ولا بغيت نخمم تيملي ثم قران تزات سيرفا في المروك باش تي لا ليكتور ني غاف ميلي في قبلي Écoutez, ça a été un match comme on avait prévu, très compliqué, contre une très très grosse équipe marocaine. Mais mes joueurs ont été une fois de plus héroïques, solides, bien en place. On avait une difficulté, c'est-à-dire est-ce qu'on devait préserver ce but ou est-ce qu'on devait en marquer un. Moi j'avais choisi l'option d'en marquer un assez rapidement, mais après le match lui s'est déroulé différemment. Mais on a quand même réussi à marquer ce but en premier. Ce qui nous a libérés dans un premier temps, mais ensuite nous a poussé à faire une erreur sur un corner, une erreur de placement. Mais les garçons ont bien réagi derrière et je suis vraiment très content de la façon dont se sont déroulées les choses. Ils ont respecté à perfection le plan qu'on s'était mis en place. Et ensuite, on a fini en beauté en marquant un deuxième but remarquable sur la fin du match. Donc vraiment, c'est une grosse, grosse satisfaction parce qu'il y a un groupe de nouveau qui est né pour moi. Mais c'est l'air d'affiler joueurs mass Istanbul, les joueurs, surtout la défense d'Arnaud Khedmen d'Arnaud Simili Sam Korant. Oui, c'était. Je sais que c'est notre point fort. On a des gens qui sont solides, costauds, qui sont de vrais défenseurs dans l'âme, des vrais guerriers. Celui qui incarne le plus ça, c'est Keloum, parce que c'est l'ancien, c'est celui qui était là sur les compétitions précédentes. Et il a su transmettre ça à toute sa défense. Et je l'en remercie d'ailleurs beaucoup, parce que j'ai beaucoup insisté là-dessus, avec lui d'abord, parce que j'ai vu dès les premiers pas sur le stage que nous avons fait à Tijda, que c'était un vrai guerrier. Et donc j'ai dit, cet esprit-là, il faut que tu me le communiques aux autres, et il n'a pas eu de difficulté, parce que ce sont des garçons qui sont vraiment là-dedans. Le joueur Doumbia, qui est arrivé de l'Afrique aussi, est un joueur qui est exactement dans le même registre, et Bouakak et Ben Zaïd exactement dans le même. Donc voilà, on a des gens qui sont extrêmement solides, qui peuvent être amenés à faire des erreurs parce que un défenseur, il n'est jamais infaillible, c'est comme un gardien de but, mais on peut compter dessus et c'est une grosse assise, une grosse base. L'attaque va venir. Les attaquants. L'attaque. Oui. Les attaquants, évidemment, on les a beaucoup critiqués, on a beaucoup dit il faut des attaquants, etc. Mais la performance de Haroun sur ce match-là, le fait qu'il marque sur les deux matchs, il marque trois buts, ça va lui donner une grosse confiance et ça va lui permettre de passer le cap. C'est quelqu'un qui avait besoin de ça. On a beaucoup discuté, il y a un travail psychologique qui a été très important sur ces deux matchs et je vois que ça a payé parce que c'est un garçon qui... On sent un garçon en pleine confiance. Tenter le lob, le tir qu'il fait à la 92e minute, c'est un grand signe de confiance et surtout c'est un grand signe de lucidité. C'est un garçon intelligent, c'est un garçon qui même à la 92e, même malgré la fatigue, a su tirer profit de la situation. Maintenant, qui est le meilleur joueur entre Milith Givli, le match d'hier? Où est le meilleur joueur? Ah, pour moi, le meilleur joueur, c'est l'équipe. Voilà. C'est ça qui compte. C'est l'état d'esprit collectif. C'est la force qu'ils ont dégagée tous. Je pourrais tous les citer. Les anciens, évidemment, les Ben Abdi, les Medan, le capitaine Reda. Donc, on a des garçons qui se sont vidés les tripes, qui ont transmis des valeurs. C'est ce que je trouve formidable dans ce club. C'est que les anciens, beaucoup les Kabyles, évidemment, transmettent des valeurs à tous ces nouveaux joueurs, à tous ces jeunes joueurs ou nouveaux joueurs. Et l'intégration se fait très très vite et de façon parfaite. Voilà, on a des garçons de qualité, on a des hommes de qualité et qui savent transmettre les choses rapidement. Quels sont les objectifs de l'HMS en arrivée? Les championnats ou la Coupe d'Afrique? Quels sont les ambitions? Les objectifs? Les objectifs et les ambitions, vous savez, ils se forgent au fur et à mesure des matchs. Là, sur la Coupe d'Afrique, l'objectif numéro un, c'est de se qualifier sur le tour précédent pour accéder aux poules. La finale, elle est loin. Aujourd'hui, il y a des signes qui sont très positifs, mais il faut penser que la finale est loin et qu'il faut se concentrer sur le match de qualification qui va arriver derrière. Ensuite, sur le championnat, c'est la même chose. On n'a même pas commencé le championnat. La grosse incertitude, c'est
comment on va réussir l'amalgame entre les deux groupes. On a un groupe qui a été recruté sur la fin. Comment on va réussir cet amalgame? Il y a aujourd'hui, j'ai 38 à 39 joueurs à disposition. Ça fait beaucoup pour former une équipe, former un groupe de nouveau. Donc, il va falloir du temps et on verra ce que ça va donner ensuite. هاد النوغال غا في مسال تاع جيم باد نولا السافينا كي تنقولها عندها في تاول تاع الانترنت عندها فرد فانتي لي زانفورماسيون كني مستنبولي فا كيتي لا جي اس كا انش تقول الصح alors je vais corriger un peu les choses, c'est que sur internet d'abord on sait jamais si c'est fiable ou pas, et sur internet on dit que on va me licencier, c'est pas pareil. Donc pour l'instant j'ai aucune nouvelle de mes dirigeants, donc je peux ni infirmer ni confirmer. J'aimerais bien que rentrer en contact avec eux, voilà, tout simplement. Vache ta warin sur lecturing qui a fait hashtag mais nous là bien via les réseaux sociaux il faut de l'information pareil. Pardon. Vache la lecturing mais nous là via les réseaux sociaux il faut d'une information pareil. Bah écoutez, on va voir tout ça, on va voir si c'est vrai ou pas vrai, c'est tout. Mais pour l'instant moi je peux pas vous en dire plus parce que je n'en sais pas plus. Tout simplement. Je n'ai aucune information à mon niveau à vous donner. Le message les supporters de la GS Cacha sont énervés. Mais écoutez, le message c'est que c'est un club magnifique, c'est un club qui mérite qu'on s'occupe bien d'eux. Et j'espère de tout cœur que tout va bien se passer pour la suite. Merci Henri Midlevna, Fendis Bossek. Merci à vous. Merci. مرسي سنمير سمقران تكيد ولا مهي يفنا مس اونري اسطنبولي نتاعاني فهم كرا امسلاين استقبايليس سنمير سمقران مديرا اي سيغرينا سيغر القانون اللي مدنا وبغى ندي على سيمبران تاع لا جيسكا كنسقر في شوال ذو مسلاي غف مسلتك